Bonjour à toutes et à toutes, c'est Vitesse. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 10, voilà. Épisode 10 de ce Let's Play sur One Piece Pirate Warrior. Et depuis que j'ai Black Ops 2, donc ça fait à peu près une semaine, je n'ai même plus joué à One Piece. Alors, je ne sais même plus où on en est, donc journal de bord. Et on va voir ça. Bon, ça, c'est fait longtemps. Tête de mort et fleur de cerisier. Là-dessus, boss. Ah oui, on avait battu Wapol. Wapol plutôt. Wapol. Non. La ville du rêve. La ville des rêves. Grand Base. Royaume d'Alabasta. Ah, c'est là où il y a Vivi, Crocodile. Ok. Alors. Muzu. Ok, donc ça va être comme celui-là. Ah ouais, c'est avec les zones. Bon, c'est parti. Ou commencer l'épisode. Je verrai ça plus tard. Et donc cet épisode-là fera une vidéo. Bon, par contre, ça, je m'en fous. Désormais, je les passe. Parce que bon, il y aura plus de dialogue que de vidéo. Que de gameplay. Voilà, bon, si vous voulez lire, vous faites pause, et ça, on s'en fout. Vous faites pause aussi. Les mystères, on les connaît. En tout cas, moi, la plupart. Oui. Voilà, c'est bon. Donc, on devrait battre Crocodile. Alors, c'est bien, ça en passe de Chopper avec Wapol dans le désert avec Crocodile. Encore. Scargophone. Il s'est appelé comment Sanji? J'ai pas eu le temps de lire. Ben voilà. Normalement, c'est Mr. Price qui s'appelle. Donc, on contrôle Sanji. Ça, je connais, j'ai déjà vu. Allez, plus vite. Comme quoi, quand je vous dis qu'il y a plus de dialogue que de gameplay. Oh, Mister 3. C'est parti. Je contrôle Sanji, bien sûr. Voilà. Sanji, tes esquives sont pas très bonnes. Bon. Je me demande ce qui est le plus dur, battre Mister 3 ou contrôler Sanji. Il y a du temps en plus. Bon allez, me prends-en dans la gueule, Mister 3. Je sais pas ce que t'as à faire, moi. Voilà, ça c'est fait. Oh, finalement, c'était rapide. Alors, un trésor. J'ai pas le temps. Ouais, déjà, c'est quoi ce truc là? J'ai du temps en plus. Oh, c'est pas possible. J'aime pas jouer avec du temps. À part pour les jeux de course, mais sinon.
Les jeux contre la montre, c'est pas mon truc. Ah donc attention G, faut qu'on fasse une attaque combinée tous les deux. Des attaques comme le sol, comme showing axe. Ouais mais comment on fait showing axe? Showing axe. Oh, voilà. Showing axe. Tant pis hein. Voilà, le territoire est sauvé. C'est quoi ce merdier? Ah, j'entends pas doucement là depuis 30 secondes. Bon, lui il meurt. Voilà. Je sais même plus comment a fait Showing Axe. Et hop, on va aller là-bas. C'est parti. Parfait. Et de deux. Voilà. Ah ouais non, la zone n'est pas complètement pris. Et encore le chef. Voilà. Ah, il est pris. Et hop, tirez-vous. Ensuite, là-bas. Bien ami. Wow. C'est parti. Oh. Oh, ça fait mal, ça, par contre. Chopper vient d'arriver. Oh, trop bien. Il est où, le petit chopper? Petit, mais costaud, quand il veut, non? J'ai vu son G, ah il doit être dans un autre territoire Chopper, c'est ça. Hop, hop, hop. J'avoue que Showing Axe, je sais plus comment on fait. Franchement je fais ça, ça va assez vite. Oh, sans j'ai jamais, vous vous débrouillez tout seul. Vous êtes assez grand pour le faire. C'est pas comme si j'avais une horde d'ennemis à battre. Oh, le chef. Voilà. Territoire capturé. On va là-bas. Ouais, j'ai l'air d'avoir un peu de temps. Ah, je me souviens, il y avait un trophée, c'était de tuer 1000 ennemis dans un épisode. Oh, je pense que celui-là, on pourrait le faire. Par contre, je suis à perdre tout son chemin. Mais il est con, franchement, Zoro, mais... Je te jure. Il est balèze, mais il... Niveau cerveau, il est pas très bien. Il est où lui? Il est là. Voilà. Bon, les trésors, je pense que c'est de la bouffe. Bah, il est là, Zoro. Le chopper aussi, justement.
C'est bien, il s'est pas barré. Oh bon, lui il est un peu plus chiant lui je trouve. Alors on va faire une petite attaque spéciale. Bon, ce tas-là, voilà. Un petit peu raté je crois. Non c'est bon. Voilà, ah ça va vite pour l'instant. On va aller par là-bas. Faut pas le temps avec vous. Enfin, je le fais quand même. Oh oh, maintenant, c'est parti. En plus, il y a un chef de marine, c'est bien ça. Clone des fous plomberies. Oh, direct, ça c'est bien. Encore 14 minutes et 8 secondes. Lui, il a dû avoir mal. Allez. Voilà, ça c'est fait. On va à la zone suivante. Ah, depuis 10 jours ça fait du maladie. Ah, je crois que j'ai un peu bugué. Depuis 10 jours ça fait vraiment du bien de rejouer One Piece. C'est autre chose que du Black Ops 2. Je dis pas que ça saoule déjà, mais faut pas faire que ça non plus quoi, j'ai aussi ce jeu à faire. Et Resident Evil 6, mais bon, je le fais pas en let's play, tout simplement. Je peux pas gérer deux let's play en même temps. J'y suis presque, un petit effort. C'est bien de venir sur moi directement. Hop, ça c'est fait. Par là. Bon, ils sentent plus rien. Bon, cours, Luffy, allez. Wow, 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 wow. Maintenant. Oh, comment elle a baissé la barre rouge. Il devait galérer à porter son engin, lui. Chef. 600 ennemis. Oh, il était simple à faire celui-là. Oh, c'est quoi ça? Ouais, je m'en débarrasse un peu vite fait, moi. Rangez-vous deux par deux et soyez silencieux. Je m'occupe de vous. Oh. C'est par là. On s'en prend Usopp. En même temps, vu son niveau, c'est pas... mince. Oh bon, Billon. Ah, la flotte. Franchement, si c'est que c'est l'épisode, ça va être un peu court. Ouais, normalement, si c'est comme l'épisode où il y a Arlong, après c'est Crocodile. Le chef, il est là. Ok, il combat avec des écouteurs, avec un casque.
musique. Exactement. Oh, tu te le fais en sous-top, c'est bon. Voilà. Oh, ok, faut aller à la croix. C'est parti. On prend un raccourci. Il reste que 10 minutes. La marine, elle poursuit 2 euros. Je pense pas que c'est ça qui va le faire peur, Zoro. Hein? Il y a eu un petit bug, je crois, non? Zoro, on occupe. Ouh, maintenant! Waouh! Mais c'est trop bien! Ah oui, le but, faut que j'aille au but. Attends-moi, Usopp. Ah oui, bon, il est là. Bon, bah, j'y vais tout seul. Je vais prendre quelques pièces. Non, il n'y a pas un coffre. Non. Oui. Voilà. Et on y va. Ah, ça doit être le temps. On veut l'explosion, je crois, normalement. Ouais. Et maintenant. Voilà. Crocodile. Pour l'instant, c'est comme le la série, le manga, voilà. Alors, si on en suit la série en manga, Luffy devrait perdre. On va voir ça. Pour l'instant, ça va. Ceux qui possèdent le pouvoir du fil des mondes. Logia peuvent prendre la forme d'un élément naturel. Ah, ok. D'accord, j'ai compris. Ouais, je crois qu'il va se réveiller là, Crocodile, et il va me tuer. Ça me fait un peu rappeler comme 5 et Zoro au début du jeu. Allez. Ah ouais, tiens, il y a un steak, bon, on va le prendre. Je pense pas que les pièces j'en aurais besoin étant donné que le combat est fini bientôt. Voilà, ouais. Donc, ça y est, il va me battre. Oh là, je suis un peu en train de faire n'importe quoi. Ouais, on va faire ça.
Franchement, si je gagne, ça serait vraiment bizarre. Ouais, pour l'instant c'est assez bizarre. Bon, ce jeu normalement reprend à 90% l'histoire réelle. Bizarre. Bon, peut-être que la suite sera différente. Ah bah je crois que j'ai parlé trop vite. Eh bah oui, effectivement. On se fait embrocher. Par contre, ce passage là, je n'ai plus. Ou alors il est jamais rentré dans un sable mouvant. Ah, ça fait mal aux yeux. Ah, passer du rouge au bleu là tout d'un coup. Naze tatakau no? D no na o motsu. あなたたちよ。D？ どうやら無駄な質問みたいね。まあ、c'est fait。Bon, bah voilà。Est-ce qu'il y a une petite suite ? Non, bon, bah voilà, to be continued。Alors, ça, on prend. Oui. Niveau 14. Je sais pas combien il y a de niveaux. Je me souviens quand je suis allé à la Paris Games Week avec Karyung et Haro. Dans le mode journal annexe, Chopper et Sanji avaient à peu près niveau 34. Peut-être avoir une quarantaine de niveaux, je pense. Moi, ouais, ça augmente pas grand chose. Trésor de Luffy augmenté de 1. J'ai ajouté le trésor de Luffy. Ok. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode 10. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut, au revoir.